Alors, bonsoir à vous tous. Bon mardi 31 mars 2020. Donc, bienvenue à Karaté Laval, dojo virtuel avec Sensei et Jonathan. Alors, aujourd'hui, nous sommes rendus à notre 19e cours. Donc, c'est fantastique, ça va très bien. J'espère qu'à la maison, ça va bien également. On reste toujours vigilant, hein? Faut faire attention aux consignes de confinement. Je sais que c'est pas facile, mais au moins on peut sortir de la maison, prendre de l'air un peu autour du quartier et en même temps se rafraîchir. Et ça permet de vivre du bon temps en famille. Et s'il vous plaît, lorsque vous allez à l'épicerie ou quoi que ce soit, lavez-vous les mains. Si vous avez des gants, les jetez dans la poubelle et non pas par terre à côté de la voiture dans le stationnement ou près des paniers. Hein? Ça prend 2 secondes, tu enlèves tes gants, tu vas prendre une poubelle, tu les mets dedans. Hein? On n'a pas à les ramasser, ça sert à quoi? Sinon, bien, ça va faire la propagation pour rien. Et de respecter les distances et de faire attention. Donc, il y a des gens qui ont des comportements assez particuliers. Donc, soyons responsables, OK? Soyons vigilants, prudents, réfléchis. Puis, je suis pas mal sûr que ça va bien aller. Malgré qu'on ne s'en cachera pas, on a encore pour un petit bout de temps. Russe. Alors, tout compte fait, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, juste vous rappeler de vous abonner sur la chaîne YouTube de Karaté Laval. Donc, dans les courriels que je vous envoie, vous avez les 3 liens avec un bouton bien précis. Vous avez accès à la chaîne YouTube, sur le site web de Karaté Laval et également la page Facebook. Donc, ceci dit, soyez en grand nombre, partagez, parce que c'est notre récompense. Hein? Alors, ceci dit, on va commencer le cours d'aujourd'hui. Alors, je salue tout le monde, dont Patricia, Alexa, Marie-Lou, Yanni, James, hein? Alexandre, Leandro, je sais, toi, je dirais que tu fais tous les cours, je pense que tu es partout. Allô, les frisés, ça va bien? Bon, Esteban, Joachim avec Raphaël et Léa, ainsi que Catherine, Sympa et Christian, si tu es là, salut à toi. Donc, également, Sujin, si tu es là, salut, salut. Avec Olivier, il y en a quelques autres aussi. Pierre-Olivier aussi. Hey, on est toute une gang. Donc, si je ne vous nomme pas tous, tenez-moi-en pas rigueur. Donc, c'est pas voulu. Également, Laurence et Anne-Sophie, j'espère que vous êtes là aussi. Et Gabriel Gonzalez. Hein? Alors, on essaie de tout le monde travailler ensemble. Écrivez-moi vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et en même temps, bien, ça nous permet de nous améliorer et de poursuivre. Ceci dit, pour les angles de vue de caméra, je sais pour certains, c'est pas facile. Alors, faut être ouvert d'esprit. Faut être en mesure de sortir de notre zone de confort. Moi également. Donc, vous aussi, par l'appareil. Donc, je sais que pour certaines personnes, de coordination, la transposition des mouvements, je le fais en face à face, je le fais en miroir, je le fais de côté également pour avoir un angle de vue différent pour que lorsque vous allez revoir la vidéo, que vous êtes en mesure de pouvoir comprendre et de corriger les petits détails qui vous échappent quand je suis devant ou si je suis de dos. Bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas voir mes mouvements que je fais, que ce soit des coups de poing, des kicks ou quoi que ce soit. Alors, je vous demanderais d'être ouvert d'esprit, d'être compréhensif à ce niveau-là. Je fais tout mon possible pour être assez volatile au niveau de la caméra pour vous permettre de pouvoir avoir le meilleur accès possible au niveau des angles. Russe. Alors, commençons. Point devant. D'accord, 16 ans. Point de chaque côté, le corps droit. Moxo, ferme les yeux. Moxo Yami, Karate Kyokushin, Us, Sensei Nirei, Us. Le coup commence. Us. Kiritz. Debout. Us. Alors, Dante, Naïli, vous êtes prêts? Hein? Alors, on y va, tout le monde ensemble. On va faire un petit échauffement ici. Alors, on va se prendre un peu d'espace.
et on va courir donc en rond. Donc, on n'a pas le choix. Si vous courez dans la maison, bien, prenez votre téléphone, bien, essayez de me suivre. Mais on va courir un petit 30 secondes à une minute. Donc c'est parti. On court ensemble. Donc, petit échauffement. Là, chantez pas de chanson, il n'y a pas de pont d'Avignon. Rentez, hop, l'autre côté. Ici, on fait des points devant. On va dire each knee, vous allez dire sun chi. Us. OK, on y va ici. Each knee. Each knee. Each knee. Each knee. Double punch. Each knee. Un, deux. Each knee. Sun chi. Ha ha. Vous dites each knee dans ce temps-là. Each knee. Un, deux. Sanchi! Ichni! Enti! Hop! Sanchi! Hop, hop! Sanchi! Hop, hop! Sanchi! Hop, hop! Ichni! Hop, hop! Ichni! Hop, hop! Ichni! Hop, hop! Sanchi! Hop, hop! Hey, Yamé! Reviens. Alors, ici. Main devant. OK. Alors, on va travailler en croisé, OK, pour faire, dans le fond, stimuler le haut et le bas du corps. Donc, ici, on va faire en croisé. Quand je lève, donc, je suis en effet miroir avec toi. Quand je lève le côté droit, je frappe avec le côté gauche. Quand je lève le côté gauche, je frappe côté droit. Us. On y va tranquillement. Donc, en croisé. Each. Us. Ni. Us. San. Us. She. Us. Go. Us. Rick. Sich. H. Q. Ju. Each. Ni. San. She. Go. Rick. Sich. H. Q. Ju. Each. Ni, san, shi, go, rik, sich, ach, q, ju, each, ni, san, shi, go, rik, sich, ach, q, ju, each, ni, san, shi, go, rik, sich, ach, q, ju. Très bien. Maintenant, on va le faire 30 fois. Un compte. On va faire les deux mouvements. Donc, je vais dire each. Un, deux. Ni. Un, deux. Donc, kata, à chaque fois, un compte, on fait les quatre mouvements dans le fond. OK, mais en haut, on y va 30 fois. Each. Us, us. Ni. Us, us. Son. Us, us. She. Us, us, go! Us, us, right? Us, us, sink! Us, us, hatch! Us, us, Q! Us, us, Jew! Us, here, each! Us, us, knee! Us, us, sun! Us, us, she! Us, us, go! Us, us, right? Us, us, siege! Us, us, hatch! Us, us, Q! Us, us, need you! Us, here! Each, us, us, knee, us, us, sun, us, us, she, us, us, go, us, us, wreck, us, us, siege, us, us, hatch, us, us, kill, us, us, Jew, us, yeah. Très bien. Alors ici, on étire de côté. Each, knee, sun, she, go, wreck, siege, H, Q, Ju devant, each, ni, san, shi, go, rek, sich, H, Q, Ju. Lève le talon, each, ni, san, shi, go, rek, sich, H, Q, Ju. Talon sol, each, ni,
San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. L'autre côté, on étire H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Devant, H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. On lève le talon. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Talon sol. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Et on revient. Rotation. Non, pas rotation. On va étirer les ischio-jambiers. Jambes tendues. On descend les mains au plancher. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Milieu. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Derrière. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. On colle les jambes. Pieds collés, jambes collées. On fait la même chose. On descend droit devant. Sans plier les genoux. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Côté. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Vers l'arrière. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. On revient. On étire ici. H, Ni, San, MT. H, Ni, San. De l'autre côté. H, Ni, San. On change. H, Ni, San. De l'autre côté. H, Ni, San. Une autre fois. H, Ni, San. Dernière fois. H, Ni, San. De l'autre côté. H, Ni, San. Très bien. OK. Maintenant, on s'assoit ici. Papillon, toujours bon, bon et bien de s'étirer, OK? Donc, l'aine et l'entrecuisse ici, on y va. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Très bien. On allonge la jambe devant. Ici, on met le pied par-dessus. Donc, par-dessus le genou. Et on pousse vers le bas. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. On allonge la jambe ici. On met le coude à l'intérieur. Et on tourne. On étire. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Et on revient. On change. L'autre côté. On prend la jambe ici. On met par-dessus le genou. Sur la cuisse. On maintient et on pousse le genou vers le sol. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Pied ici, à l'extérieur. On met le coude à l'intérieur. On met la main derrière. Et on tourne. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Et on revient. On colle les jambes ensemble. Très bien. On descend. Droit devant, sans plier les genoux. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. H, Ni, San, Shi, Go, Rick, Siege, H, Q, Ju. Et à main debout, Kirit. Très bien. On arrange avec la ceinture rapidement. Main chaque côté, rotation. H, Ni, San, Shi, Go. L'autre côté, H, Ni, San, Shi, Go. Très bien. Maintenant, les bras, on tourne. H, Ni, San, Shi,
go. Rick, Siege, H, Q. Drew, l'autre côté. Each, Nick, Sun, She, go. Rick, Siege, H, Q. Drew, ici la gauche vers l'avant, la droite vers l'arrière. Each, Nick, Sun, She, go. Rick, Siege, H, Q. Drew, l'autre côté. Each, Nick, Sun, She, go. Rick, Siege, H, Q. Drew, très bien. Avec les coudes, each, knee, sun, she, go, rip, siege, h, q, ju. Excellent. Maintenant, rotation de la tête. On tourne, each, knee, sun, she, go, l'autre côté, each, knee, sun, she, go. Très bien. Parfait. Alors ici, on va poursuivre donc avec un exercice de lunge. Donc, on a commencé un peu cette semaine et la semaine dernière. Donc, je vais le faire de côté pour que vous puissiez voir la forme. OK, donc des petits lunges. Et après, on va faire les grands lunges. Donc, on va faire droite-gauche. OK, donc main en haut et on descend. On va le faire 20 fois, donc 10 fois chaque jambe. C'est parti, donc en avançant, hein, c'est des front lunges. On dépose la jambe en avant. On y va. Each, knee, sun, she, go, rip, siege, h, q, ju. Each, knee, sun, she, go, rip, siege, H, Q, need you. Et voilà. On bouge les jambes. C'est très bien. Maintenant, deuxième série. On va faire des lunges, mais à pleine longueur. Donc, on va un peu plus loin. OK, on va faire vraiment 90 degrés ici. Alors, on va vraiment jusqu'au bout. Une fois et demie à deux fois la longueur, environ. Russe. OK. Alors ici, mais en haut, on y va toujours vers l'avant. C'est parti, droite-gauche, each, knee, sun, she, go, rick, siege, h, q, ju, each, knee, sun, she, go, rick, siege, H, Q, Ju. Et la main, on bouge. C'est bon, c'est bon. Maintenant, on va faire les back lunges. Donc, on va déposer la jambe en arrière. OK? On commence naturellement par les petits. Et le deuxième round, on va faire les plus allongés, plus longs. Russe. Alors ici, main en haut, droite-gauche, la même chose, vers l'arrière, on y va, each, knee, les petits, sun, she, go, rip, siege, h, q, ju, each, knee, sun, she, go, rip, siege, H, Q, Ju. Très bien. On bouge les jambes. C'est très bon. Très bon. Alors, on continue avec les back lunges les plus longs. Donc, on va porter la jambe en arrière un peu plus loin. Pousse. OK. Mais en haut. On y va ensemble. Droite-gauche. C'est parti. Each. Knee. Loin. Sun, she, go, rip, siege, h, q, ju, each, knee, sun, she, go, rip, siege, h, q, ju. Très bien, on bouge les jambes. Good.
Alors, prochain round, je vais compter, dans le fond, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais compter 20 fois, peut-être même, attends, on va le faire pour 40, ça va être un bon exercice. Donc, ça devrait être 40, 10 fois chaque jambe, 32, 8 fois, donc ça va par 8. On pourrait le faire 32 fois, OK? Donc, je vais compter 32 fois et ça va faire 4 sets, dans le fond, pour chaque jambe. Donc, ce qu'on va faire, OK? Très simple. On combine tous les exercices de lunge qu'on vient de faire. Donc, ça va être petit devant, grand devant, petit derrière, grand derrière, grand derrière. Russ, donc, petit lunge en avant, grand lunge en avant. Petit lunge derrière, grand lunge derrière. Donc, ce qui donne 8 mouvements. Et on va les répéter, dans le fond, 4 fois chaque, qui va donner 32 comptes. Russ, alors, allons-y. Mais en haut, c'est parti. Ik, ni, san, devant, les grands, chi. Go, derrière, rip, sich, ach, q, ju, ich, ni, san, chi, go, rip, sich, ach, q, ju, ich, ni, san, chi. Et yamé. Us. Très bien. On bouge les jambes. Parfait. OK. Alors ici. On va faire, dans le fond, les 8 déplacements. On va travailler en comité d'achi avec les 8 déplacements en position de combat. Alors, pour être en mesure d'intégrer, je vais le faire avec toi en miroir. Donc, ça peut être facile autant que ça peut être difficile. Je pourrais commencer avec ma jambe gauche en avant et ta jambe gauche à toi. Qui, tant qu'à moi, serait beaucoup plus facile à transposer. Je vais quand même le faire en miroir. Tu verras ce que ça donne. Alors, mon côté à moi, ici, mon côté droit, sera ton côté gauche. Mais tu vas bien suivre la procédure. Us! Alors, on fait les 8 déplacements en position de combat. Fixe point devant. Kumite dashi! Yoi! Jambe gauche devant, kamate! Yeah! Alors ici, on doit travailler, OK, donc, les 8 déplacements. Alors, allons-y ici. Donc, pour commencer, un demi-tour. Donc, la jambe en arrière tourne. Ironiquement, tu vas être dos à moi. Donc, on va faire que tu tournes la tête. OK? Alors ici, each, on tourne. Maintenant, le dos tourné, tu vas tourner vers ta gauche. Ni, un quart de tour. Ensuite, demi-tour, jambe en arrière. San, on tourne. Là, tu as la jambe gauche en avant. La jambe droite, pardon. Ta jambe droite est en avant. Un quart de tour vers la gauche. Ich, tour. Très bien. Ici, ich, mawate. Là maintenant, ta jambe droite est devant. On tourne toujours vers la jambe qui est en arrière, hein, dans un quart de tour. Là, c'est ma jambe ici, gauche qui est derrière. Tu tournes vers ta gauche. Hein? Tu tournes où est la jambe est derrière. Tu fais un quart de tour. Ich, devant. Ensuite, ni, un demi-tour. Hop. Là, c'est ta droite devant. Et ich, devant. Jambe gauche. On est revenu au point d'origine. Donc, on a fait les 8 déplacements. Russ. Je vais le faire encore en face. OK. Et après, je vais le faire de côté, que tu puisses voir les angles. Donc, on refait une autre fois. Tout le monde a la jambe gauche devant. Russ. Main en haut.
Alors ici, on y va. Demi-tour. Jambe droite en arrière, qui est ta jambe à droite. Mawate ici. Each, un demi-tour. On est de dos. On tourne vers ta gauche. Knee. Vers ta gauche. La jambe en arrière. Sun. On tourne. Ici, on tourne vers la droite. Vers la gauche. Ta gauche à toi. Each. Devant. Knee. Mawate. On tourne. Jambe droite devant pour toi. Each, on tourne vers la gauche. Sam, demi-tour, hop, vers la droite. Ici, each, on revient. Donc, tu as ta jambe gauche devant. Je vais compter en 8, comme ça, tu vas pouvoir, OK, les comptabiliser. Alors ici, dernière fois devant, après, je le fais sur le côté en angle. Each, on tourne. Knee, un quart de tour vers la gauche. Sam, un demi-tour vers la droite. She, un quart vers la gauche. Go, un demi-tour vers la droite. Rick, vers la gauche, un quart de tour. Siege, un demi-tour vers la droite. Hatch, un demi-tour vers la gauche. On est revenu, tu vois, à 8 au point d'origine. Russ, reste en position. Maintenant, je vais le faire ici de profil. Donc, mets-toi sur le côté de la télé et avec la profondeur, même si c'est pas 3D, donc tu peux quand même voir un peu mon positionnement avec la position des jambes. OK? Avec la distance de mes jambes. Tu vois ma jambe gauche? Là, je travaille du même côté que toi. Je suis pas en miroir. Alors, ma jambe gauche, c'est ta jambe gauche à toi. OK? Alors, on travaille ici en côte à côte ou en face à face. Donc, tu es l'autre côté de la télé, dans le fond, mais OK? Face à moi. Alors, on y va ici. On a commencé tantôt avec un demi-tour. OK? Each, demi-tour. Knee, un quart de tour vers la gauche. Sun, un demi-tour vers la droite. She, un quart de tour vers la gauche. Go, un demi-tour vers la droite. Rick, un quart de tour vers la gauche. Siege, un demi-tour vers la droite. Hatch, et je suis revenu un quart de tour sur ma jambe gauche, point d'origine. Je le refais une autre fois. On commence avec le demi-tour. C'est le mawate dans le fond. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez de base. Alors ici, each, demi-tour, là c'est ma droite, ta droite en avant. Each, un quart de tour gauche. Sun, un demi-tour droite. She, un quart de tour gauche. Go, un demi-tour, droite devant. Rick, un quart de tour, gauche. Siege, un demi-tour, droite. Hatch, un quart de tour, gauche en avant. Us, comme tantôt. One, all right. OK, nous, on va continuer. Je vais continuer de face en miroir. Alors, il faut faire les positions. Maintenant, on va ajouter les kicks. Donc, on va faire ici avec jambes en avant. Donc, le stop kick. Chulan Mangiri. OK? On va commencer avec un mouvement. On devrait finir l'enjeu ici avec le déplacement avec 4 à 5 mouvements. Russe. On travaille rétention, coordination et point de repère dans l'espace. Donc, il faut que tu arrives à contrôler ton corps. Alors, ici devant. De la jambe gauche, moi c'est ma droite, on est en miroir. La même chose que tantôt. Alors quand tu vas tourner nécessairement, c'est ta jambe droite qui va être devant parce qu'on travaille, tu vas être dos à moi. C'est ta jambe en avant qui va frapper, pas la jambe en arrière. C'est la jambe qui est en avant qui va toujours frapper Chudan Magiri. Us? Alors je le fais avec toi. Un demi-tour vers la droite. Ich, tourne, kick, jambe en avant. Ni, vers la gauche, un quart de tour, kick, jambe en avant. Sam, un demi-tour droite, kick. She, un quart de tour gauche, kick. Go, un demi-tour, la jambe droite devant, kick. OK. Rip, un quart de tour, ici, jambe gauche devant. Siege, un demi-tour vers la droite, droite devant. Ici, H. Un quart de tour vers la gauche, gauche devant.
russe devraient arriver au même point d'origine. Alors, c'est relativement simple. C'est toujours un demi-tour, un quart de tour, 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 c'est fini. Alors, très simple, avec les points de repère, on fait les 8 points cardinaux, donc sur un carré. On aurait fait une autre fois, juste pour mettre dedans, après on rajoute les punches. Alors, main en haut, gauche en avant, Yidari Hashimai. On fait un demi-tour, kick, each, demi-tour droite, kick, jambe en avant. Knee, un quart de tour, jambe gauche, kick. Sun, un demi-tour droite, kick. Shi, un quart de tour, gauche, kick. Go, un demi-tour, droite, kick. Rip, un quart de tour, gauche, kick. Siege, un demi-tour, droite, kick. Hatch, un quart de tour, gauche, kick. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose. Quand tu vas faire ton kick en avant, tu vas faire Neon Jodansuki. Donc, double punch au menton. Attrape-les. Donc, selon la jambe qui est devant, c'est le point. Donc, Aitsuki qui part en premier. Donc, si c'est la gauche, c'est gauche-droite. Mais si c'est la droite, c'est droite-gauche. Russe. Donc, au menton. Alors, on refait à nouveau. J'ai toujours, moi, OK, le côté de ta gauche. Donc, en effet, miroir, mais en haut. Ici, un demi-tour. Ich! Stop kick! Jambe droite en avant, droite, gauche. Ni! Un quart de tour vers la gauche, 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 droite. Sun! Un demi-tour vers la droite, 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 gauche. Shi! Un quart de tour vers la gauche, gauche, kick, gauche, droite. Ich! Un demi-tour vers la droite, kick, droite, gauche. Un quart de tour, each vers la gauche, kick, gauche, droite. Ici, each, demi-tour vers la droite, droite, kick, droite, gauche. Each, devant, gauche, kick, gauche, droite. Dernière fois, je le fais juste en comptant, maintenant tu dois le figurer par toi-même. Il faut que ça commence à rentrer et à faire son intégration. Il faut que tu commences à l'assimiler, il faut que tu commences à comprendre le déplacement. Si jamais ce n'est pas clair, lorsque ça, tu auras quelques minutes, tu pourras reprendre la vidéo et travailler sur cet aspect-là. Russe. Alors ici, toujours en effet miroir. Ici, kick en avant, double punch au menton. Donc, selon la jambe d'en avant, je répète, si c'est la jambe gauche, c'est gauche-droite. Nécessairement, si c'est la droite, ça sera droite-gauche. OK? Donc, toujours avec le step kick, ici, en premier lieu, avec la jambe d'en avant. Russe. Là, je fais juste compter. Je compte 8, tu fais les 3 mouvements. On y va. Each. Demi-tour. Kick. Double punch. Knee. Un quart de tour. Kick. Double punch. Sam. Un demi-tour. Kick. Double punch. Shi. Un quart de tour. Kick. Double punch. Go. Un demi-tour. Kick. Double punch. Rip. Un quart de tour, kick, double punch. Siege, un demi-tour, kick, double punch. Hatch, un quart de tour, kick, double punch. Alors, c'est ce que ça devrait donner comme exercice. Maintenant, on poursuit l'exercice. On va le faire 3 fois. Donc, une fois en comptant. Non, 2 fois en comptant et une fois en moguri. OK? Alors ici, quand je vais tourner, je vais toujours faire mon front kick avec jambe en avant. 1, 2. Geden Mawashigiri et tu redéposes derrière. Si tu fais un Geden Mawashigiri et tu déposes devant, ça va tout défaire. OK, tes déplacements, ça va te mélanger. Donc, assure-toi bien que lorsque tu vas faire kick, double punch, Mawashi, que tu ramènes ta jambe en arrière avant de bouger. Russe. Alors, on fait demi-tour. Donc, kick en avant, double punch, Geden Mawashigiri, et on remet la jambe derrière. On y va. Each. Kick. Double punch. Mawashi. Remet derrière. Knee. Ici. Kick.
c'est la gauche, là. Gauche, droite. Nawashi droite, je remets derrière. Centre, demi-tour. Kick, double punch. Nawashi, je reviens. Chi, ici. Kick avec la gauche. Gauche, droite. Nawashi, gauche, droite, ici. Et je reviens. Go, Nawati. Kick avec la droite, droite, gauche, gauche, je remets derrière. Each, un quart de tour, kick avec la gauche, gauche, droite, droite, ici devant. Each, un demi-tour, kick, punch, la gauche qui kick. Each, gauche devant, kick, gauche, droite, droite, et je reviens derrière. Alors, tu vois les 8 positions. Je le refais une fois, en dernière fois en comptant. Après, on va le faire en mogoré. Russe. Alors ici, point en haut. On refait each. Nawati vers la droite. Droite. Droite gauche. Gauche. Knee. Vers la gauche. Kick. Gauche droite. Droite. Et je reviens. Centre. Droite, kick, droite, gauche, gauche, each, un quart de tour, gauche, kick, gauche, droite, droite, je reviens, go, devant, droite, droite, gauche, gauche, each, vers la gauche, 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 droite, droite, each, vers la droite, 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 gauche, gauche, each, gauche, kick, gauche, droite, droite et devant. Alors, maintenant, le faire mogoré. 50, 60 km/h. Faites-le comme il faut. Okay? Allez pas trop vite, faire n'importe quoi. Donc, bien suivre le jeu de pied et en même temps, la série du jeu de pied, ok? Donc, tous les mouvements bien faits. Alors ici, on y va en mogoré. Hajime! Terminé, jambe gauche devant, tu recules, hein, Naori, Yasumi, on bouge, très bien, alors, faut le développer, je te dirais que sur un deuxième temps, on va sûrement l'élaborer un peu plus la semaine prochaine, si tu as la chance de le pratiquer un peu plus, pour qu'on puisse aller un peu plus vite et le travailler en cardio, donc on pourrait faire en mogoré 10 fois. Okay? Donc, la série des 8 déplacements qui pourrait être un bon petit entraînement et de conditionnement physique en même temps. Russe? OK. Alors ici, on va faire push-up. Alors, je vais aller chercher mon jeu de 4. Ce ne sera pas bien long. Oui, je n'étais pas parti longtemps, là. J'étais allé chercher ici le jeu de cartes. Voilà. OK. Alors ici, je vais brasser les 4. Je vais en sortir 5 dans le fond. Et ça va déterminer, OK, le nombre de push-ups, sit-up, squat qu'on va faire. Alors, non, ceci n'est pas subventionné par le Casino de Montréal. Donc, c'est endossé par Karaté Laval. Je brasse donc les 4 devant la compagnie de sondage Deloitte
et mon karaté Laval et touche, donc pour le brassage de 4. Évidemment, l'As est 1, le Roi c'est 13 et le Joker c'est 25. OK. D'accord, donc je répète, donc dans les cas, l'As c'est 1, le Roi c'est 13 et le Joker c'est 25. Nécessairement, la nomination pour les cas du Valet Dame, donc c'est 11 et 12. Plus. Alors ici, pour les push-ups, première carte, alors position, roulement de tambour, alors allons-y. C'est le Roi. Alors, on en fait 13. Position, c'est parti. Tout le monde ensemble. Ich, ni, san, shi, go, rip, sich, h, q, ju, ich, ni, san. Très bien. On relaxe. Deuxième carte. Le 5 de cœur. Donc, 5 push-ups. On y va. Ich, ni, san, shi, go. Et on relaxe. Très bien. Troisième carte. Donc, comme j'ai dit tantôt, on en pige 5. Oi, oi, oi! Valet de pique. On en fait 11. 11 push-ups. On y va. Ich, ni, san, shi, go. Rip, sich, h, q, ju, ich. Et on relaxe. Très bien. Prochaine carte. Ah! L'as de pique. Voilà. Alors, on en fait un. Each. Très bien. Et la dernière carte, la cinquième. Oh là là. C'est la dame de cœur. Donc, ici devant, on fait et on termine avec 12 push-ups. On y va. Each, ni, san, shi, go. Rick, sich, h, q, ju, ich, ni. Et on relaxe. Très bien. Maintenant, je vais me placer de côté. Redressement assis. Alors, on continue avec la série. Donc, je vais piger également 5 cartes. Et on voit ce que ça donne. Donc, première carte. Le 9 de trèfle. Alors, on y va. Ich, ni, san, shi, go, rick, sich, h, q. Très bien. Alors ici, deuxième carte. Le 4 de trèfle. Le 4. Alors, 4 redressements. Ich, ni, san, shi. Très bien. Troisième carte. Ici, on y va avec le 7 de cœur. Le 7. Alors, 7 redressements ici. Ich, ni, san, shi, go, rick, sich. C'est très bon. Quatrième. Oh là 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 là! Le Joker! Oh yeah! 25! On y va. Ich, ni, san, shi, go, rick, sich, h, Q, ju, ich, ni, san, shi, go, rick, sich, h, q, ni, ju, ich, ni, san, shi, go. Très bien. Et la dernière, donc pour la cinquième, ah, et on finit avec un petit 4 de cœur. Donc, 4 redressements, ich, ni, san, shi. Bravo. Maintenant, les squats. La même chose. Donc, on refait la formule en pigeant les 5 cartes. Donc, voyons ce que ça donne. Ici, hop. On commence. Donc, première série de squats avec un 6 de pique. Alors, allons-y, mais en haut. Ich, ni, san, shi, go, rick, très bien. Prochaine carte. Oi, oi, oi! 8 de cœur, le 8. Alors, allons-y pour 8. Ich, ni,
Sun, She, Go, Rick, Siege, Hutch. Très bien. Maintenant, on poursuit avec un 5 de trèfle. 5 de trèfle. Alors, 5 squats. Each, knee, sun, she, go. Très bien. Quatrième carte. Ah, oh, un as de cœur. On en fait un. Each. Très bien. Cinquième carte. Ah, oh, 10 de pique. Alors, on y va pour le 10. Each, knee, sun, she, go, rip, seek, hatch, cue, jew. Très bien. Une dernière pour la chance. Hein? On a eu des petits chiffres. Ah, ben, on termine comme on a commencé. Donc, un 6 de carreau. Alors, allons-y pour le dernier. Each, knee, sun, she, go, rip, et voilà. Très bien. Alors, ce qui complète nos push-up setup squat. Très bien. Alors, ici devant. Alors ici, on va travailler un peu nos déplacements. Donc, les quatre déplacements. On va commencer avec le Sanchindeshi. On va poursuivre avec Zenkutsudeshi, avec Kukutsudeshi et on termine avec Kibadashi. Alors, ce que ça va donner ici, je vais le faire face à toi pour te donner un aperçu. Donc, je me mets de côté pour que je me mette face à toi. On commence un peu comme le premier kata, si tu veux. C'est Kyan Kata Ichi, OK? Mais on va juste garder les positions. On l'a déjà fait pour certains. Alors, je vais juste le mettre en pratique. Alors ici, Yoi, on commence avec Sanshin Deshi. Ichi, Sanshin Deshi. Donc, nécessairement, là, tu es vers la gauche. Ou tu es ici de côté, tu es face à l'écran, dans le fond. Ici, on avance. Zenkutsudeshi. Ni, tourne le talon. OK, allons. Zenkutsudeshi. OK, san, tourne le talon. Hop. Kukutsudeshi. OK, Kukutsudeshi. Et ich, mets le talon au sol. Allonge. Kibadashi. OK, exactement. D'accord? Alors ici, nanre, on revient. Alors ici, on peut recommencer. Donc, petite position. On y va ici. Point devant. Ich, Sanchindeshi. Ni, Zenkutsudeshi. San, Kukutsudeshi. Shi, Kibadashi. Et là, on pourrait la faire ici, à nouveau, l'autre côté, avec la droite. Donc, tu peux tourner ici, droite. Sanshin Deshi, Ich, Zenkutsudeshi, San, Kukutsudeshi, Shi, Kibadashi. Et on revient ici. OK? Nanre, on revient. Alors ici, on pourrait donc rajouter les mouvements des bras. Donc pour l'instant, on va y aller de cette façon-là. Donc nécessairement, Ouais, OK. Alors ici, on pourrait commencer avec Sanchindeshi, Jodanuki. Ich, Jodanuki. Ici, on avance Magirin Barai, Zenkutsudeshi. Ich, ici devant. Kukutsudeshi, on y va avec Ushiuki. Ich, croise en dessous. San, ici on allonge, ici tourne, OK, ici Sotouki, très bien. Alors, on revient dans le rig, on se replace.
Je vais juste regarder, valider quelque chose. Ça m'interpelle. Non. Je me demande si on commence pas en 5 coups de sous. Sanchin de chi. Kupotu de chi. Kiba de chi. Après ça, 5 coups de chi. Sanchin. Kupotu. Ici. Ensuite, 5 coups de sous. Sanchin. Kupotu. Kiba de chi. Ça serait plus facile. Je pense que la combinaison est de cette façon. Alors, on va le refaire en commençant avec le Zenkutsu Dashi. OK? Donc, là, si je me mets devant toi, je ne peux pas le faire, dans le fond, à ta gauche. OK? Donc, il faudrait que je parte à ma gauche à moi. Donc, pour t'aider, je vais me mettre dos à toi. De toute façon, on fait les déplacements en position. OK? Je ne peux pas être en miroir présentement pour faire la position pour qu'on soit du même côté. Alors, je vais me mettre dos à toi et on va commencer ensemble. Donc, yoi! On tourne ici, Zenkutsu Dashi. Ichi avec la gauche. Ici, ni, Sanchin Dashi. San, Kukutsu Dashi. Shi, Kiba Dashi. Go, jambe droite en avant. Recule, Zenkutsu Dashi. Ichi, Sanchin Dashi. Ichi, Kukutsu Dashi. San, Kiba Dashi. Ich, vers la gauche, Zenkutsu Dashi. Ich, Sanchin Dashi. Ich, Kukutsu Dashi. Ich, Kiba Dashi. La jambe gauche s'en va vers le grand déplacement, comme le premier kata, Zenkutsu Dashi. Ich, Sanchin Dashi. Ich, Kukutsu Dashi. Ich, Kiba Dashi. Jambe droite recule, hop! Zenkutsu Dashi. Ich, Sanchin Dashi. Ich, Kukutsu Dashi. Ich, Kiba Dashi. Jambe gauche. Un quart de tour, on revient. Zenkutsu Dashi. Ich, Sanchin Dashi. Ich, Kukutsu Dashi. Ich, Kiba Dashi. La gauche. Grand déplacement. Zenkutsu Dashi. Ich, Sanchin Dashi. Ich, Kukutsu Dashi. Ich, Kiba Dashi. Ich, droite recule, Zenkutsu Dashi. Ich, Sanchin Dashi. Ich, Kukutsu Dashi. Ich, Kiba Dashi. Je reviens dos à toi, Nanré. Ça, c'est dans le fond, Kyan Kata Ich. On pourrait rajouter, dans le fond, les mouvements des blocs, donc sont appropriés dans le fond avec les déplacements. Ça pourrait changer, mais c'est une combinaison plus naturelle. Donc, quand on est en Zenkutsu Dashi, Mangilin Barai, Sanchin Dashi, Jodanuki, un peu comme le Gixaidai, qui est un kata de ceinture verte. Également, après Kukutsu Dashi, on fait le bloc intérieur et Kiba Dashi, on fait le Soto Uki. Donc, ça serait une façon de faire. On va le faire ensemble, pratiquez-le à la maison et on va être en train de pouvoir le développer la semaine prochaine. Non pas jeudi, mais mardi prochain. Russ. Alors ici, je vais faire simplement les 8 déplacements. Donc, jusqu'en avant qui aille. On va le faire ensemble, je vais le mettre dos à toi et on va commencer ensemble du même côté. Donc, comme le premier kata. Russ. Alors, allons-y. Kyan kata ich, yoi. On y va, Zenkutsu Dashi, Mai Biden Barai. On avance, Sanchin Dashi, Jodanuki. Ich, Kukutsu Dashi, Ushuki. Ich, Kiba Dashi, Sotouki. Ich, droite, Mai Biden Barai, Zenkutsu Dashi. Ich, Jodanuki, Sanchin Dashi. Ich, Ushuki, Kukutsu Dashi. Ich, Kiba Dashi, Sotouki. Ich, vers la gauche, Zenkutsu Dashi, Mangilin Barai. Ich, Sanchin Dashi, Jodanuki. Ich, Ushuki, Kukutsu Dashi. Ich. Yeah! On termine ici pour l'instant. Donc, Nanré. Résumé.
pouces. Alors, pratique à la maison, c'est 4 transitions de déplacement pour pouvoir le mettre en pratique en faisant d'autres mouvements pour ajouter aussi le Gyaiko Tsuki, Nihon Tsuki, donc les punches. Et on va faire un autre entraînement qui va nous faire développer notre coordination et en même temps d'être en mesure de travailler la transition des positions. Ça sert à quoi? Pour éventuellement améliorer ton jeu de pied sur stratégie de combat et ta mobilité. Donc, comment travailler, esquiver, reculer, avancer, etc. Donc, ça va favoriser en même temps aussi les pivots pour les crochets, shitatsuki pour ton transfert de corps. Alors, terminons. Funodeshi, seiza. Oui, ça passe très vite. Point chaque côté, le corps droit. Moksu, ferme les yeux. Moksuyame, karate kyokushin. Us. Sensei mirei. Us. Otogai mirei. Us. Et le cours est terminé. Us. Keretz. Us. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Soyez prudents à la maison et n'oubliez pas de partager les vidéos à grand nombre en mode public, pas amis, sinon on n'a pas accès. Donc, public at large. Et abonnez-vous sur le canal YouTube Karaté Laval, s'il vous plaît. Et ceci dit, on se revoit jeudi prochain, donc le 2 avril. Domo arigato, kozai mashita. Domo us! Merci beaucoup, bonne soirée. Quelqu'un est de Victoria.